Seigneur. Ça prend mauvaise tournure, n'est-ce pas? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas la matière à un bon roman. Que s'est-il passé? Ah. Voilà les charmants jumeaux Fry. Qui êtes-vous? Mister Raymond connaît tout le monde. Il sait absolument tout sur cette ville. Et il écrit tout dans ses livres. Je suis Henry Raymond, auteur de médiocres récits à sensations. En d'autres termes, des Penny Dreadfuls. Et voici le jeune Artie. Mister Raymond s'inspire de vrais meurtres pour les rendre passionnants. Le coupable se fait toujours prendre. Et l'un d'eux vient de se dérouler ici même. Peut-être voudriez-vous tenter de le résoudre. Je trouve le crime délicieusement divertissant, pas vous? Je parle des enquêtes, bien entendu. Résoudre une affaire est vraiment exaltant. À mon arrivée, j'ai trouvé le corps du contremaître. Et le petit Doulet avait les mains pleines de sang. Personne n'a réussi à trouver l'arme du crime ou l'identité du meurtrier. Pouvez-vous régler ça, s'il vous plaît? Ça retarde le travail. Les gamins ne sont pas faciles, et il faut bien que quelqu'un les tienne. Si seulement les adultes cessaient de se bagarrer. Il m'a fait tomber et il m'a donné un coup de pied. J'ai eu peur. Alors j'ai trouvé mon couteau de travail et je l'ai pris. J'ai tendu les mains pour me protéger et l'autre m'a assommé. Quand je me suis réveillée, je l'ai trouvé là, mort. C'est mon frère. Comme c'est pas un acharné du travail, l'un des ouvriers l'a cogné. J'ai essayé de l'en empêcher, alors l'autre, il a arrêté de taper sur Buck pour me cogner moi. Je suis revenu. Le type était là, mort. Et Doulet tenait un couteau. S'il vous plaît, ne l'arrêtez pas. J'étais là, debout, à penser à je ne sais plus quoi, quand quelqu'un est venu me donner une raclée. Doulet a essayé de l'arrêter et le type s'en est pris à lui. Je suis parti chercher de l'aide. Mieux vaut retourner se renseigner à ce sujet.
c'est bien le couteau de Doulet, et il ne le prête jamais à personne. Moi ? Non ! Oh non, 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 pas si vite. Vous avez certes résolu ce meurtre avec les éléments dont vous disposiez. Cependant... Artie, qu'est-ce que tu conseillerais ? Je vous inviterai à aller au-delà des apparences, à chercher ce qui se cache sous la surface. Essayez de nouveau. Utilisez vos talents pour aller au fond des choses et découvrir la vérité. On travaillait ici, Wilkins et moi. On a entendu crier. Wilkins est allé voir ce qui se passait, et il est jamais revenu. J'y suis allé à mon tour, et je l'ai trouvé mort. J'ai pas demandé mon reste. Je me suis carapaté. On aurait pu croire que c'était moi. Ce qui est étrange, c'est que Wilkins portait pas de foulard quand il était avec moi. Seuls ceux qui sont à la brasserie portent des foulards. Allez voir Maurice, là-bas. La mémoire en consultant le dossier. Je devrais retourner me renseigner. Vous pouvez vous rafraîchir la mémoire en consultant le dossier. Wilkins n'était pas du genre à battre les enfants. Au contraire, il jouait souvent des points pour empêcher ce genre de choses. Les vapeurs sont assez denses à la brasserie. Lorsque les hommes y travaillent, ils portent des foulards. Mais à l'entrepôt, ils n'en mettent pas. Quels sont les suspects qui ont eu l'occasion de le tuer ? Eh bien, je suis resté dans la brasserie toute la journée, avec mon bandana sur la figure. C'est nécessaire avec ces odeurs et ces vapeurs. Je ne sais pas trop qui fume et qui ne fume pas ici. Peut-être Taylor ? C'est peut-être sa cigarette ? Je ne fume plus depuis plusieurs mois. Mais ce matin, j'ai aperçu quelqu'un de la brasserie qui fumait. Sauf que je n'ai pas vu qui c'était. Eh bien, comme je l'ai dit, j'étais à l'intérieur. Je n'ai pas eu l'occasion de sortir pour fumer. Coulton est sorti, lui. Allez lui demander, il est à l'endroit où on charge en ce moment.
crois que je devrais réinterroger un suspect. Certains indices doivent être approfondis. J'ai discuté avec quelqu'un quand j'ai entendu du bruit. Je suis allé voir et j'ai trouvé Wilkins mort. Le pauvre, tué par cette sale petite ordure qu'on nourrit et qu'on paye. Je n'ai jamais fumé, jamais. Ah d'accord, je fume de temps à autre. Quelle importance. C'est moi qui devrais être contremaître. Wilkins était une vraie mère poule avec ses gamins. Il a voulu m'empêcher d'en rappeler un à l'ordre. Sai. Allez, direction la prison. Une tragédie dans le parc. Une nouvelle énigme diabolique à résoudre. J'en tirerai une autre brochure à un penny chez Purlock Publishing. Je devrais retourner me renseigner. Je devrais retourner me renseigner. Je devrais retourner me renseigner.
Je crois que cela justifie de nouvelles questions. Oh mon Dieu! Prudence, c'est horrible! J'allais la demander en mariage. Mais je ne comprends pas. Nous ne devions pas nous retrouver aujourd'hui. Il est vrai que nous nous voyons parfois dans le parc, mais nous n'avions rien prévu ce matin. C'est vraiment très étrange. Prudence était une patiente, mais ceci ne fait pas partie de son traitement. Je ne vois pas pourquoi elle avait ce paquet. Je suis sûr que vous comprendrez que je ne peux discuter de l'état de mes patients. Je suis navrée d'apprendre sa mort. Elle était l'une de nos patientes. Mais elle passait souvent comme ça pour nous rendre visite. Apparemment, Monsieur Baxter a agressé le docteur hier. Le cabinet était fermé. Le docteur a été blessé à la joue. Pauvre homme. Le docteur Alton le voit à domicile. Baxter ne vient pas au cabinet. Je prépare les prescriptions et il passe les prendre le midi pendant mon déjeuner. Alors elle retrouvait le docteur Alton dans le parc? Pourtant j'avais cru comprendre qu'elle était fiancée. Si vous voulez mon avis, je crois que le docteur mérite mieux. Peut-être cela lui ouvrira-t-il les yeux. Je ne connais aucun des autres patients du docteur Alton. Je suis assez furieux, à vrai dire. J'obtenais d'excellents résultats. Je me sentais un autre homme, plus vigoureux, plus aventureux. Mais le docteur a mis fin à cette prescription sans raison. Prudence et moi sommes fiancés. Elle ne devrait pas tarder. Elle avait quelque chose d'important à me dire. Je crains qu'elle ne souhaite rompre nos fiançailles. Prudence est distante depuis quelque temps. Elle a développé un penchant pour son médecin, le mufle. Je ferai un bien meilleur époux. Et le mariage est déjà planifié.
Je l'ai vu embrasser mon homme dans le parc. Alors hier, je l'ai suivi jusqu'à cette rue. Mais je l'ai perdu. S'il le faut, je reviendrai chaque jour jusqu'à ce que je la revoie. Cette traînée va me jurer de le laisser tranquille et d'aller voir ailleurs. Ou alors... Il est à moi, je vous dis. Toutes les filles sont attirées par Baxter, mais elles ne l'auront pas. Demandez-lui vous-même. Il habite par là. Je me demande si quelqu'un pourrait m'en dire plus. Je ne connais pas cet homme. Ce médicament a été préparé par le docteur Alton pour l'un de nos patients, M. Shelby. Mais il l'a aussi utilisé sur quelqu'un d'autre. Un incident fort regrettable. Un de mes patients est devenu surexcité. Mon Dieu, c'est vrai. Je n'ai rien pu faire. La poudre a libéré une créature sommeillant en moi. Elle a séduit Prudence, puis l'a tuée pour nous empêcher de nous marier. C'est épouvantable.
Cette poudre médicinale cachait quelque chose, mais je n'ai compris que lorsque vous avez trouvé ces papiers. Bravo. Allez, direction la prison.